C'est vrai que la génétique fait partie de notre avenir dans la santé, c'est très clair, mais il n'y a pas que la génétique, je pense aussi à tout ce qui est miniaturisation qui concilie biologie et microfluidique, mais aussi médecine régénérative, mais qui peut aussi, la médecine régénérative peut intégrer la génétique en modifiant les tissus qui seraient réinjectés. Donc voilà, la génétique a une place importante dans le développement des nouveaux traitements, mais aussi de la prévention. La génétique va avoir un apport indirect via la connaissance qu'elle va apporter. Et je crois que l'exemple type, c'est ce qui se passe en cancérologie, où la compréhension des mécanismes de la transformation d'une cellule conduit à identifier des cibles thérapeutiques, et en fait ces cibles sont des modifications génétiques. Et donc on est en train comment dire, de développer des médicaments qui vont avoir un effet très spécifique sur ces cibles, c'est-à-dire sur ces modifications génétiques. Je pense que la génétique va avoir son mot à dire, et déjà son mot à dire dans toutes les spécialités médicales, avec une intervention directe donc des traitements pour substituer une protéine déficitaire. J'évoquais les traitements des maladies enzymatiques, mais un autre traitement, je pense par exemple à la mucoviscidose, qui est une maladie très fréquente, dont on a compris le mécanisme. C'est une anomalie d'une pompe à chlore qui a un rôle majeur dans certaines cellules. Et donc, je dirais que le défi va être non seulement de construire la molécule manquante, mais de cibler le tissu altéré. Et donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, j'évoquais aussi comme traitement la cancérologie avec donc des thérapies ciblées. Il y a un grand nombre de maladies génétiques qu'on appelle mendéliennes, c'est-à-dire que leur déterminisme est relativement simple, il est lié principalement à l'altération d'un seul gène. En fait, on se rend compte que l'expression de la maladie liée à l'altération de ce gène est beaucoup plus complexe et elle fait intervenir d'autres facteurs, qui peuvent être d'autres facteurs génétiques, mais aussi des facteurs non génétiques liés au mode de vie, liés à l'environnement. Et il me semble que les avancées qu'on entend, les progrès qu'on attend de la génétique vont être cette capacité à intégrer la génétique dans un ensemble de facteurs. Je prends l'exemple des prédispositions au cancer du sein. Certes, il y a les gènes BRCA1 et BRCA2, pour resituer les choses, si je dis Angelina Jolie, on comprendra tout de suite. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que certaines femmes avec l'altération du gène BRCA1 auront un cancer du sein à l'âge de 30 ans, pourquoi d'autres n'auront jamais rien au cours de leur vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de risque tumoral parmi les femmes qui ont la même altération génétique. Et je crois que ce qui me satisferait le plus, c'est de contribuer à la compréhension de ces variations d'expression de la maladie.